Et donc, salut tout le monde, c'est Flavius Contentius et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Case the Reich. Ah, excusez-moi, petit problème de souris. Bon. Bon, de toute façon, je suis habitué à utiliser ceci. Et voilà. Donc, précédemment, nous avions magnifiquement percé tandis que le. Ah, on sent. Ok, qu'est-ce que je fous là? Tandis que le maréchal Pétain était mort, donc maintenant nous sommes en pleine guerre totale contre nos ennemis. Donc actuellement nous sommes en train de percer vers Berlin. Alors on a les Anglais qui sont à coup de boost, nos alliés percent de partout. Ah oui, je crois qu'il y a même des unités qui se battent pas en fait, tellement on va vite. Je crois que c'est cette impression là. Non, tout le monde se bat. Du coup on va avoir une grosse percée. Oui, magnifique. Ah, une nouvelle unité de cuirassiers. Bah putain, vous avez vu tout ce qu'on va avoir en armée. Mec, on va avoir une armée gigantesque. Bon, on va faire ça. De toute façon, on n'a plus grand chose à faire. Ah non, ça fonctionne pas là. Bien. Alors, j'aurais bien balancé une boîte atomique sur l'Allemagne, mais je n'ai pas d'avion. Où sont mes avions? Faut qu'on voit tout de même la première bombe atomique française. Ah, les voilà! On va les emmener à Kassel. Pour l'instant, il n'y a pas d'Allemands, ça c'est bien. Il n'y a personne sur le chemin. C'est bien. Donc, oh oui, à Bremen, on a éliminé les restes de l'armée qu'il y avait là. Et je vous propose qu'on balance une boîte atomique sur une ville. Hop là. Et on va balancer la bombe atomique sur... Berlin serait un peu trop con de balancer une bombe sur... Oh oui, on va la balancer sur Kiel. Nuke, motherfucker. Du coup, ils vont le faire à quelle heure? Bon, alors on va ralentir par contre parce que là, ça va faire mal. Allez, les mecs, on sort, allez. Oh. Ah, 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 ça sent mauvais. Oui. Première bombe atomique française in your face. Oh. On l'a niqué. Oh le massacre. On a tué. Oh là, le génocide. Oh, c'est dégueulasse. Putain, vous avez vu tout ce qu'on a tué d'un seul coup. Bon, alors où sont les bombardiers navaux? Parce que je voudrais bien les envoyer. Ah voilà. La flotte allemande, voyez-vous, elle va pas tarder à s'enfuir. Et moi, ça me ferait bien chier que les Allemands puissent fuir avec toute leur flotte. Donc on va envoyer toute notre aviation là. Donc de toute façon, on va prendre leur dernière base, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on envoie notre flotte? Ouais, bon, ce qu'il en reste plutôt. Putain, ah, la première bombe atomique française, c'est magnifique. Bon, on passera les détails sur les 150 000 morts, mais... bon, on dira que c'est un gros bombardement qui a changé l'histoire de France, quoi. Oh là là, ce massacre! La bombe, elle est tombée, elle a tué tellement de soldats d'un coup. Oh là là là, c'est horrible, mais c'est jouissif quand même, regardez. Oh là là. Je suis sûr, si j'attaque avec ce qui reste là, il n'y a plus rien. Bon, après, vous allez me dire, je serais un peu con d'envoyer mes soldats directement sur une position irradiée. Mais bon, on va tenter. Qu'est-ce qui reste? Il restait que 50 soldats. On a tué tout le monde. C'est horrible. On a tué toute l'unité. Ah, j'ai envie d'en balancer une autre, mais je sais pas où. Mais là, ce serait... Oh, l'horreur, quoi. Je balançais la bombe la plus violente au monde. De Gaulle a pris Berlin? Non. Oui, De Gaulle est aux portes de Berlin. Regardez-moi ça. Le général De Gaulle. De Gaulle contre Bertram. Putain, De Gaulle, il en a gagné des batailles. Ah, regardez. A gagné la bataille de Paris. Putain, mec, t'as Paris et Berlin sur toi. Franchement, mec. Oh, magnifique bombardement. On pouvait pas rêver mieux avec la France, mais là, on a fait... Oh, mais on a fait un génocide, c'est pas possible. Non mais là j'ai vraiment honte d'avoir tué autant de personnes au mètre carré là. Mais bon. Ne vous inquiétez pas, l'histoire nous pardonnera pour ça. Côte d'Algérie. Ah, deux navires qui traînent là, on sait pas pourquoi. Alors c'est quoi leur nom? Ah bah non, c'est pas des navires, c'est des groupes de navires. Allez, on en a coulé trois. Ah là 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 là. Ah non mais je suis désolé, mais ça me fait encore rire. C'est la première fois que je suis en bombardement sur Kaiser Reich. Enfin, sur un Heart of Iron de base. Donc dites-vous bien que voilà. Alors, où sont mes avions? Est-ce que moi, je voudrais bien démonter les Allemands qu'il y a près de chez moi? Ah, encore d'autres bombardiers navaux.
Ah mais là, on va balancer la purée sur eux. Non, on va tout couler. À coup de grenade, nous allons tout couler. Putain, par contre, mes avions sont dans un piteux état. Ça sert à rien que j'envoie une pilote, ils vont se faire charcuter de toute façon. À moins que... On peut envoyer ceux-là là-bas. De toute façon, vous avez vu comme moi. Ce qui m'inquiète, c'est les... c'est leurs pilotes, là. Parce que, bon, groupe de chasse, en plus. Hein. Si j'envoie mes pilotes, ils vont se faire ratatiner. Magdebourg, allez! Bim, c'est à Magdebourg. Bah, allez, on va encercler le reste de l'armée allemande à Potsdam. On va diviser nos groupes en deux. Les Anglais en Allemagne en 1951. On est peut-être un peu en retard historiquement, mais on est quand même bien historique, on va pas se mentir. On va envoyer les renforts là. Bataille de Magdebourg. Y'a pas Rommel? What, c'est qui ça? Ah, c'est les Danois, d'accord, j'ai l'armée danoise dans le Derche. Enfin, face à moi plutôt. Dans le Derche, c'est un peu barbare, oui. Il me faudrait mes parachutistes, parce que j'ai un plan, ce serait d'envoyer mes paras pour leur faire... Attendez, est-ce qu'on peut tenter un truc de para? Les gens, soyez honnêtes avec moi. Ah bah non, déjà... Ouais. On va renvoyer Jeannin, et je pense qu'on peut tenter facilement un... Bah attendez, combien ils peuvent aller, mes pilotes? Ils peuvent aller jusqu'à 1000. Bien ça, 1000. Oui, on peut le faire, we can do it. And we will did it. Nous allons foncer sur cette ville. Et c'est ça, c'est les survivants du carnage. Ah non, c'est les blindés qu'on avait déjà croisés il y a quelques temps. Putain, Berlin, ça résiste. En même temps, c'est le Kaiser Guillaume. Guillaume combien déjà? C'est 4. Oui, Guillaume 4 de Prusse. En même temps, j'ai niqué tout leur arbre généalogique. Attendez, on peut avancer quand même. C'est bon. Ah, les vilains, ils veulent reprendre la ville. Je la laisserai pas. Qu'est-ce que vous croyez? Lübeck. Allez, on a éliminé 3000 fighters. Bon, je pense que... Attendez, si on a éliminé tous leurs fighters. C'est intéressant, ça, les gens. Très intéressant, ça veut dire qu'ils ont peut-être aucune troupe. Mais je vous ai dit d'aller là. Bande de dégénérés. Oh, c'est chiant d'avoir un état-major de... Oh là là. Mother God. La milice de Darnan qui est toujours là. Maréchal. J'ai pas d'event pour l'Allemagne? Non, faut que j'éradique toute l'Allemagne, ça veut dire faut que je prenne tout. Ah oui, bon, vous saviez déjà ce que ça voulait dire. Oh putain, oh là là, ça va être un carnage. Et ben, on va ici. On va... Prio, tu vas aller aider De Gaulle. Non, j'ai dit tu vas aider De Gaulle. Là, les mecs, vous êtes coincés. Si vous attaquez, vous êtes morts. À votre choix, à votre bon cœur, les mecs. Putain, la bataille de Berlin en 1951. Ah, c'est la fin du Kaiserreich, le Kaiser, il va regretter d'être né. Oui, nous avons réussi à contrôler l'Alsace-Lorraine. Oui, on a pris contrôle l'Alsace-Lorraine. Ça fait depuis 1871. Oh oui, génial, c'est considéré comme des points stationnels. Alors, attendez, je prends une calculatrice pour faire le calcul. On est en... Oh, bah non, attendez, je suis complètement con. On est en... Alors, ça fait... 50... Ça fait 80 ans que Strasbourg était entre les mains allemandes. Et on a gagné. Et bim, du coup, c'est les provinces nationales, c'est ça? Magnifique. C'est là, je voudrais faire le même, vous savez, le mec qui est en mode parfait. Je sais pas si vous voyez quel même je parle. Bon, actuellement, je vois pas comment vous l'expliquer, mais bon. On est aux portes de la Pologne, en plus, c'est ça le plus drôle. Alors là, on va éradiquer toute l'armée allemande. Ah, désormais, les Allemands, il n'y a plus rien. Il y avait une armée allemande? Non. Je me souviens plus qu'il y avait une armée allemande. Parce que disons qu'ils sont un peu tous morts. Des pilotes irlandais, hein. Quand c'est plus les Allemands, c'est les Irlandais maintenant. Ah, bah Magdebourg, on est vraiment en train d'éradiquer tout ce qui reste de leur armée. Bah alors, Mein Kaiser, vous n'avez plus de soldats? Quel dommage. On va envoyer les chasseurs au-dessus du Danemark. Parce qu'il faut qu'on réussisse une opération aéroportée sur le Danemark. Vous allez me dire, dis donc Jamy, ça sert à quoi ce plan? Le plan est simple. Sachant que si on prend Copenhague, on prend contrôle du détroit. Et sachant que les trois quarts de la flotte allemande sont là. Eh ben Jamy, la réponse est simple, on peut éradiquer toute leur petite flotte. Et ça, ce serait magnifique. On se bat au-dessus de Hambourg. Vous avez vu ce qu'ils ont, hein, les mecs, ils me balancent des... Moi, je combats encore avec des avions à essence. Eux, ils sont... Oh là là, ils m'ont haché menu. Bon, bah au moins, fallait, c'était la bataille suicidaire. Bon, au moins, on sait que l'aviation française devait faire un truc de ce genre. Bah, ils sont mes pilotes. Bah, ils sont mes pilotes. Attendez, mes pilotes sont pas tous morts quand même. D'accord, mes pilotes ont disparu de la surface de la Terre. Bien. Bien. Je sais plus comment on dit, mais bon.
Pourtant, ils sont pas morts quand même. Ah, si, ils sont là. Ouais, bon, l'IA allemande est encore sur cheat. Vous avez vu le nombre de bombardiers qu'ils ont. Moi, c'est pas possible de tenir. Vous allez là et vous. Restez terrés là, les gars. Bon, je pense que faut qu'on prenne Kiel comme ça. On va lancer un double assaut. Ça veut dire, pendant qu'ils seront. Ouais, on va tenter un double assaut. Et Berlin est encerclé. On su, je meurs. Le Reich millénaire. C'est plus pour moi. C'est bête. De mon âge. Allez, regardez ça. On va être à la frontière avec les. Les Autrichiens, ils ont vraiment pas peur de nous actuellement. Je vous le dis direct, c'est l'Autriche m'attaque. Je la descends direct. En même temps, l'autre, il a pas intérêt à me faire le coup. Hein. Alors. Là. Ah, d'accord, je peux pas attaquer d'ici. Bah, très bien. Non, bah, te fais pas chier, tu vas ici. Bon, tu t'attaques là quand même. Et on va attaquer à Kiel. Est-ce qu'à Kiel, il y a les survivants de la bombe? Ah non, c'est pas des survivants, ça. C'est des autres soldats allemands qui sortent de... Je ne sais plus. Les Allemands m'attaquent à Francfort. Pardon? Vous avez encore des soldats dignes de cela? Parce que, excusez-moi, vous avez vu tout l'état de votre armée. Je pense honnêtement, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de la boucler et laisser les cadavres de votre armée diriger votre pays. Parce que, franchement, vous n'avez plus rien à sortir. Et là, l'état-major allemand est en train de chier dans son derrière. Enfin, dans son franc. Honnêtement, c'est ce que je ferai quand je verrai la moitié de mon pays se faire démonter. Et De Gaulle va bientôt prendre Berlin. Eh ben c'est bon, on a pris Berlin. Pimpin. Et là, De Gaulle va faire Berlin outragé. Berlin brisé. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, le Berlin brisé? C'est eux qui ont cherché la guerre les premiers. Oui. What? Attendez, ils vont se reposer là. Oh les cons. Non, ils sont pas reposés, fais chier. Ils sont encore en vol. Eduardo Shiba, c'est mort, mais je mens. C'est pas que je m'en fous un peu, mais quand même. Savoir qu'un mec est mort, très bien, mais... Enfin, pas bien, justement, mais... Une personne que je connaissais pas, donc je vais avoir du mal à pleurer pour un mec comme ça. Alors, bon volant, troquette. Bon, si on entre en guerre contre le Canada, je lui balance une bombe depuis l'autre bout du monde. Bah quoi, faut bien faire la guerre contre le Canada. Faudra bien qu'on fasse la guerre contre le Canada, de toute façon. Ah, voilà, c'est ça. Notre économie, elle est magnifique, quand même. Bon, on va aller... Au bout du monde! D'accord, ils sont trop cons pour se déplacer, d'accord. Mes soldats sont devenus légèrement stupides. Alors là, faut pas qu'on les laisse fuir. Je ne vous laisserai. Mais non, faites pas ground battle. Non, mais. Êtes-vous complètement stupides, mes soldats? Parce que là, je crois que oui. On va essayer de se faire le plus de soldats possible. On va ordonner à Salao de s'occuper de ce cas-là. Voilà. Là, si on détruit tout d'un coup, ce serait magnifique. Et Leclerc, tu vas à Copenhague. Le maréchal Leclerc à Copenhague, quoi. Oh oui, on les a eus. Oh mon dieu, la flotte allemande. Alors là, ils ont vu notre armée, ils ont vu nos bombes, ils sont morts. Tout simplement, il n'y a plus rien à dire. Oh là 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 là, on leur a cousé un destroyer. J'aurais coulé des hélicoptères. Le truc le plus stupide au monde. Ils ont coulé des hélicoptères. Hein? Ils en ont? Bah bien sûr qu'ils en ont, chef. Stettin. Alors, qu'est-ce qui se passe à Stettin? Ah, Berlin est perdu. Alors? Pas d'insta? Attends, t'as perdu Berlin, normalement. Moi, je suis désolé. Quand j'ai perdu Paris, quand tu perds Paris, généralement, t'es un peu dans la merde. D'accord, je peux pas aller là-haut. Bah, je vais aller là, alors. Qu'est-ce que vous croyez, bande de demeurés? Toujours pas d'event pour l'Allemagne? Bon, ça fait chier, quand même. Et normalement, l'Allemagne, elle est morte, quoi. Ça m'étonnerait qu'il y ait encore des Allemands qui veulent se battre. Et Darlan, tu vas aller parader à Berlin, parce que y a pas de raison. Alors, normalement, je crois que je peux diviser l'Allemagne en plein d'états, c'est ça? Ah oui! Oh, ce serait dégueulasse de faire ça. Oh. Confédération d'Allemagne du Nord. Oh, putain, ils ont des drapeaux. C'est moi ou leur drapeau? Pourquoi vos drapeaux sont-ils autant dégueulasses? Parce que là, c'est... Et à Kiel, on a éliminé la dernière unité qu'ils avaient. Et là, on a leur foutu bombardier. Attendez, est-ce qu'on peut tenter le raid? Tentons le raid. Pour l'honneur de l'armée française, nous allons sauter sur Copenhague. Et oui, nous pouvons le faire. Et nous allons le faire sur Copenhague, les mecs. Allez, do it. Non, c'est pas le bon bouton. Oui, on a eu tous leurs chasseurs. Et non, ils m'ont pas intercepté quand même. Mais comment ils m'ont intercepté? Et ils m'ont encore intercepté. Mais d'où ils m'interceptent? Mais attends, mais c'est pas possible comment... Bon, les mecs,
Si vous êtes vraiment... ils sont où? Bon, attendez, vous pouvez pas vous redéployer? Bah non, ils peuvent pas se redéployer, mes pilotes sont trop cons pour le faire. Oh, purée. Ah ouais, par contre, il va y avoir la flotte casse-pieds là. Allez les mecs, vous avez moins de 11 heures pour traverser le détroit avant qu'il nous fasse chier. Allez-y. Et purée, je savais que vous allez le faire. En résumé, il m'empêche de passer. Ça, c'est ce que je déteste avec le Danemark. C'est que c'est un pays imprenable. Ça, c'est le truc le plus salaud que vous pouvez faire. C'est... plus, il y a quoi? Je sais pas. Ils ont mis des bombardiers. Visiblement, je suis trop con pour savoir ce que c'est, les bombardiers. Enfin, je présume que je sais ce que c'est, mais... voilà. B de Mecklenburg. Ah! Ah, bonjour le petit destroyer. Bonjour le petit navire de combat. Flottille de destroyer. Allez, on les a coulés. Magnifique. Magnifique. Pourquoi je ne peux pas attaquer cette maudite ville? Il n'y a plus d'avion. Attendez les mecs. Là les mecs, je vais pas supporter longtemps cette connerie. Alors, port strike, vous me niquez tous les pilotes. Ouais, bon, on va faire les deux en même temps. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. De toute façon, la guerre est gagnée. Enfin, excusez-moi, la moitié de l'Europe est entre... les trois quarts de l'Allemagne sont entre mes mains. Je considère que la guerre est gagnée. De Gaulle, il est bien en train de se battre, bien sûr. Non. Bah, De Gaulle, tu vas à la Königsberg. Non, mieux, tu vas en Pologne. De Gaulle, les aventures de De Gaulle en Pologne. Oh là là, ça va être quelque chose, les mecs, hein. Putain, je vois plus rien. Les Autrichiens vont me bloquer, là, bande de demeurés. Brrr. Je suis en train d'être bloqué. Ouais. Et tu remontes ici. Voilà. Ça fait un beau nœud. Ils m'ont encore démonté. Mais ça, c'est du cheat, tout simplement. Je confirme qu'il y a cheat gravement. Parce que ça m'énerve de tomber sur le foutu pilote. Ils n'ont même plus d'avion. Et puis, si, ils en ont encore. Vague de réfugiés. Dis donc l'Autrichien. Non. Ah voilà, l'Italien modernisé en face en armée. Ou purée, là si l'autre il m'attaque, mon allié italien il est mort. Alors, dis donc, je sais plus ton nom, merde. Otto là, d'accord qu'on. Je te rappelle, on a signé un pacte d'agression, tu ne peux pas m'attaquer. Alors, essaye de m'attaquer et tu vas le regretter considérablement. Je sais pas, tu vas genre perdre tout ton pays. Parce que non, moi ça me dérange pas de libérer l'Europe tout entière, hein, c'est. Démonter ta face, ça me dérange pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, vas-y, fais le mariole avec moi et tu le regretteras. C'est bon, à Stettin, on a eu la peau d'autres pilotes. Putain, mais y a plus d'armée allemande, quoi. C'est mes soldats, ils avancent, ils tombent sur des soldats, tu sais même pas d'où ils sortent, quoi. Alors chut, non, ça va, c'est pas cool. Purée, s'il y avait pas ces avions. Ah, ça va me casser les pieds, ça, je vous le dis. Pas vu ce qu'on a pété. Ah, c'est bon, on a Freetown. Oh oui, on a démonté encore une flotte allemande. Allez, bims. Vous ne passerez pas. Bon, alors, j'ai pas d'autres para. Parce qu'en fait, c'est pas que ça me casse les pieds de pas pouvoir débarquer, mais un peu quand même. Ah oui, les Écossais, ils ont l'armée, c'est vrai. Excusez-moi, c'est que j'ai plus l'impression que ce soit eux qu'on fait. Dites-moi que c'est des... non, c'est des Marines. Merde. Il me faut des parachutistes. Avez-vous cela quelque part? Et ben voilà quand on veut. Ouais. On va envoyer nos paras ici. Et j'ai pas une flotte aérienne justement. Bon bah vous, ce n'est pas la peine. Catania, mais qu'est-ce que ça fout là ça? D'accord, ah oui, mais c'est mes paras que j'ai... c'est des paras que j'ai oubliés depuis le début de la game. Vous savez, c'est ceux qui ont fait le raid. Bon, voilà, vous savez qui... maintenant je sais qui c'est. Et on a encore une encerclée unité allemande à Poznan. Mais ma pitié n'a plus aucune limite. Ah ah ah, Copenhague, j'ai pas vu. Ce monde détruit encore leur flotte. Est-ce qu'il y a encore une flotte allemande à Copenhague? Parce que je pense que non. Honnêtement, je pense plus. Enfin, je pense plus trop qu'il y a de soldats là-bas. Parce que vu tout ce qu'on a descendu. Darnan, il arrive. Oui, Darnan arrive. Bien évidemment, il faut que Darnan occupe cette ville. Ah, vraiment, l'Autrichien, c'est ce que j'ai le plus peur. En fait, l'Autrichien, il est allié à qui? Pour que je sache. Il n'a pas vraiment d'alliance, il a plus des pactes d'agression. C'est déjà mieux que rien, honnêtement. Déjà mieux que de se prendre l'autre demeuré dans la gueule.
Et là, génial, ils sont en train de m'encercler mes unités, je présume. C'est bon. Oh là 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 là, mais en Algérie, ils sont vraiment... Ils ont pas déjà tout évacué quand même, non. Non, ils ont pas évacué toute leur armée à Copenhague. Paranoïa. Ah. Attends, pourquoi ils vous marchaient? Excusez-moi, j'ai oublié que je suis complètement con et que j'ai des... Un truc qui s'appelle... Mince, moi-même je viens d'oublier le nom. Qui s'appelle des trains. Et je suis en train d'oublier leur utilité. C'est grave. C'est grave, docteur. Ah oui, c'est très grave. Alors maintenant, c'est les on note que c'est les Allemands qui défendent la Pologne. Les Allemands qui défendent la Pologne. Ah, je peux faire une mauvaise blague, mais bon, quand même. Ça va, ils me balancent combien de bombes au mètre carré, c'est demeuré. Les mecs, ils me balancent 50 000 bombes au mètre carré. Regardez ça. L'Allemand, il veut vraiment défendre son allié jusqu'au bout. Allez, Stettin, vous êtes mort. Je peux vraiment rien faire contre ça, c'est vraiment chiant. C'est casse-pied, c'est pour ça que je déteste le Danemark. Enfin, sur ce jeu, bien sûr, le Danemark, un pays démocratique. Justement, pays démocratique que je vais libérer dans un instant. Allez, encore des mecs qui se sont fait descendre. Par contre, je vais ordonner à mes pilotes d'arrêter parce que visiblement, l'IA s'amuse bien à... Oh là là là, le massacre, il me démonte ma flotte, c'est... Je suis envie de leur balancer une boîte atomique, mais ce sera un peu dégueulasse sur le Danemark, balancer une boîte atomique, vous trouvez pas? Non, parce que bon, balancer une boîte atomique sur le Danemark, c'est vraiment le truc le plus salaud que je pourrais faire, alors. Gaywidge, ils m'ont attaqué. Ah, vraiment? Ah bah non, excusez-moi, mon état-major a déjà oublié votre existence. Dites-moi que la Pologne n'a qu'un point de défense. Oh bah génial, on va lui rouler dessus en 2 semaines à la Pologne, il n'y aura plus rien. Magnifique. C'est comme ça qu'on devrait faire la guerre. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on leur coule en Allemagne? Mais en Allemagne, c'est pas possible, ils ont toute leur flotte qui se barre. Attendez, ils ont pas fait un débarquement de Londo. Merde, c'est ça aussi que j'avais oublié, excusez-moi pour mon langage grossier. Mais j'ai oublié de m'occuper du cas... et merde, j'ai même pas de navire transport, c'est génial. J'ai même pas de transport. Ouais, par contre, si j'ai enfin ma flotte de transport, le truc, c'est que je pense pas qu'ils vont me... Ah bah si, ils sont là. Louis Montauban, en plus. Tu vas aller à Marseille, parce qu'il faut que je fasse un débarquement au Maroc pour pouvoir éliminer leur poche de résistance. Parce que bon, le Maroc, on sait... pas comment il peut se jouer de nous. Je sais pas ce que je voulais dire là, mais bon. Capitale de l'Allemagne, Danzig. Ça devient de plus en plus humiliant pour l'Allemagne, bien d'accord. Les Allemands là, cette lâcheté totale avec toute leur flotte. Allez, on va juste là. Regardez comment on va vite. Ils m'ont encore intercepté? Qu'est-ce qu'ils ont intercepté en fait? Ils m'ont pas encore intercepté des avions quand même? Ah bah si, ils m'ont encore intercepté des avions. Ouh, ça commençait à être un peu casse-pied ça qu'ils interceptent. Bon, on va s'arrêter là, au niveau des bombardiers, parce que l'Allemand s'amuse un peu trop à me démonter ma flotte, et ça j'en ai un peu marre, pas vous mentir. D'accord, De Gaulle contre les Polonais. Non, si ça vous fait plaisir. Ouh, la bataille de Lodz, ça va être quelque chose, les mecs. C'est vrai qu'on en est encore dans les doctrines navales. Oui, c'est ça, les doctrines navales, on en est. Parce que, vous savez, moi, je suis un peu un salaud, là, actuellement, mon armée n'affrontera jamais la flotte allemande. Enfin, ma flotte. En même temps, vous voyez, à la gueule de la leur, ça fait pas envie, voyez-vous. Mais attendez, j'étais pas censé avoir des renforts. De Gaulle, il se bat, hein, contre 100, vous savez. Oh oui, on va encore leur éclater des navires. Les hommes avancent tellement vite que je ne sais même pas ce qui se passe en fait. C'est complètement stupide comme conflit. Ok, on avance. Mais non, mais attends. Je suis débile. Voilà. Pourquoi se faire chier? On peut aller plus vite. J'aurais besoin de l'aide. De l'aide. Non. Ouais, bon, en même temps, ils sont derrière un fleuve. C'est vrai que... Ah, futé le Polak. Ah, ces braves Polonais. Dire que je suis obligé de m'entretuer avec eux. Ah, ils abandonnent pas. Ils sont déterminés. Ils iront jusqu'au bout. Parce que c'est leur projet. Attendez, éliminez la poche de Danzig, s'il vous plaît. Voilà. Attendez, j'ai cru voir un leader connu. Il y a beaucoup de gens... Non, 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 c'est pas ce que je veux. Alors, il y a beaucoup de gens à Varso. Ouais, non, ça va. Danzig, oh, la division blindée, elle est toujours là. C'est les mecs, ils ont tout vu, quoi. Je sais pas quel film on pourrait comparer leur... Attends, Katowice, comment ça? Ah d'accord, c'est des Polonais qui libèrent des terres au nom des Allemands. J'ai rien contre vous les mecs, mais honnêtement, ça c'est dégueulasse.
Votre ceci est dégueulasse, c'est ignoble. Bon, vous, je vais pas vous balancer tout de suite. Attendons un peu avant de vous envoyer à la morgue. Oui, je sais, je suis un peu monstrueux avec mes propres soldats, mais faut bien que, de temps en temps... D'accord. Bonjour, monsieur, je vais venir avec une petite armée. Pourquoi mon armée est autant dispersée? En même temps, c'est un peu moi qui fous un peu le bordel. Il est vrai que je suis un peu stupide au niveau de mon thème, genre. Et l'Allemand qui a presque plus de territoire en Allemagne. C'est logique. Ah, ils sont tous morts à Bromberg. Commémoration de Sedan. Ah oui, vous parvenez encore à commémorer une victoire? Et purée, ils ont mis des... d'infanterie juste là. Ah, le bon troll. Allez, au revoir. Au revoir. Et on peut le faire. Oui, on l'a fait. Yes, we did. Non, c'est yes, we can. Et nous avons pris... Au revoir. Bye. Et on va tout de suite relâcher le Danemark. Ah, attendez, j'ai le Groenland. Ne dites pas que je peux libérer le Groenland. Oh, dommage. Bon, c'est pas grave. Bon, on crée le Danemark, parce que ça fait moins d'instinct, moins de belligérance. Je suis sociodémocrate, mais j'ai annexé la moitié du monde. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Attention à ce que tu vas faire, toi, le PC. C'est bien. Oh, putain, il est beau. Un beau Danemark. J'ai un beau Danemark. Chez mon poulain, chez mon Danois. Alors, je vais envoyer des unités... Je vais envoyer des unités ici. Maintenant qu'on a éliminé toute leur flotte. Non, il n'y a plus guère d'y avoir de flotte allemande dans le coin. Bon, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Au moins, on sera fait une grosse partie de leur armée déjà. On va renvoyer tout ça là-bas. Normalement, il devrait y avoir les events concernant la Mittal Africa. Parce qu'ils ils vont pas rester éternellement dans la région, quoi. Ouais. Par contre, vraiment, l'Autrichien me fait peur. Non, mais l'Autrichien va me déclarer la guerre dans le dos. C'est pas possible. C'est pas possible que ce mec reste. Reste tranquille. Enfin, s'il le fait, qu'il essaye pour voir. Parce que moi, je balance une bombe atomique dans la face. Et après, qu'on vienne pas me dire qu'après, c'était moi qui l'ai cherché. C'est eux qui l'ont cherché, la guerre. Parce qu'ils ont pas voulu me rendre Strasbourg. Bah, tant mieux. C'était pas de problème. Allez, De Gaulle. Et vas-y, De Gaulle. Wouhou. De Gaulle aux portes de... Eh, c'est 1812, le retour, quoi. Allez, gars, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, oui. Nous l'avons fait. Nous sommes en train de le faire. Attendez, là, ils sont en train de faire un truc qui me plaît pas trop. Alors, on va faire ceci. Allez, les Polonais, on va vous libérer, bon sang. Et mince, ils m'ont encerclé. Général Priou, ne vous inquiétez pas, De Gaulle est à vos côtés. Oula, la grosse offensive. Pologne, au revoir. Oui, on peut, au revoir. Et il n'y a plus rien. On a vraiment tout éradiqué. Voilà, ça va être bientôt la fin de la Pologne. Et d'ailleurs, la fin de cet épisode aussi. Bon, par contre, je vais commencer à me prendre un stade un peu partout. Là, va falloir rusher les points de victoire. Mais je pense, vu que les armées qu'ils avaient, va falloir quand même faire attention. Oh, toi, tu veux aller ici. D'accord, vous pouvez rien faire. Très bien. Bonjour les fonctionnaires de la SNCF. Je n'ai absolument rien dit, n'est-ce pas? C'est une accusation odieuble que vous me faites là. Alors, j'ai pas un groupe qui peut dans la milice. La milice, je m'en fous complètement de vous. Excusez-moi. C'était mais pas très sympa, mais bon. Libérer ce qui reste du Reich allemand. Et voilà. Voilà, on a un beau pâté en Allemagne. J'ai pas un event pour la fin de l'Allemagne, un truc genre. Non, toujours rien. J'espère que le jeu, il est pas buggé quand même. Vous vous rendez compte, s'il est buggé, je peux même pas libérer l'Allemagne. Bon bah très bien, on va occuper l'Allemagne pendant 100 ans. Tout simplement, voilà, il n'y a pas de problème. Personne ne se plaint. Bon, par contre, il n'y a aucune armée à la frontière, c'est bien pour l'instant. Bon, je pense qu'une fois qu'on les aura éliminés... Par contre, le truc qui me fait le plus peur, c'est vraiment ma belligérance. Sinon, le reste, ça va encore. Oh là 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 là. Mes alliés ont de la belligérance à un point, c'est horrible. Ah, alors tu vas aller ici. Golfe de Tunis, mais pourquoi la flotte allemande elle passe par chez moi quoi? Vous m'énervez les mecs à passer chez moi. Ah, la flotte est dans le coin. Quand même les débuts d'une armée. Ah oui. La cavalerie 1930. Et je prends quelques pertes quand même. Ah oui, ils ont des forts, d'accord. Ah, j'ai perdu. Ah bah oui, attendez, c'est un point, c'est un passage maritime. Oh le con, je fais la pire stratégie au monde quand même. Bon. On va aller juste là. De toute façon, c'est le seul point de victoire qu'ils ont. Ah, connasse, ça vaut rien pour eux. Ah oui, d'accord.
Moi qui pensais que Kona, ça valait quelque chose pour lui dans ce mode, mais bon. Eh bien, nous allons commencer la percée héroïque. Non. Voilà. Ouais, c'est les habitudes de Heart of Iron 4, je n'arrive pas à les enlever. Alors, premièrement, nous allons prendre contrôle de cette ville, parce que déjà, ça nous donne un bon avantage stratégique. Oula, mais l'Autrichien, il a sorti combien de divisions? Et ça sent mauvais avec l'Autrichien, là, quand même. Ah, il me contre-attaque. Comment ça? Attends, comment ça, vous me contre-attaquez? Ah ouais, je vois, ça commence à amener l'armée lourde, là. Ah oui. Par contre, on se détend un peu de ce côté-là. Bon, bah, on va prendre contrôle de cette ville-là, alors. C'est quoi les points de victoire des deux là? Ouais, je pourrais rusher les capitales. Mais... Ouais, je pense qu'on peut tenter un rush rapide des capitales. On a 30 minutes, bah, ça va. La guerre à. Vraiment la guerre à l'est là. Et la Middle Europa, qu'est-ce qu'elle devient? Enfin, la Middle Africa, ben il se passe toujours rien, c'est inquiétant. C'est vraiment frustrant et inquiétant à la fois parce que il se passe toujours rien. Ça me fait chier. Ça me fait chier, il se passe rien. Et l'Allemand, tu veux pas perdre tes colonies, là? Parce que, en fait, le Japonais peut faire une paix avec l'Allemand, c'est ça le truc. Faut juste que le Japonais prenne contrôle des dernières colonies allemandes. Et il s'en sort plutôt pas mal, le Japonais. De toute façon, si on gagne la guerre, je file une partie des colonies, ça vous inquiétez pas. Bon, j'ai l'impression d'être bloqué, et en même temps, j'avance pourtant. Je déteste ce sentiment. Attends, tu vas aller là. Les mecs, va falloir essayer de rusher mes chers soldats. Ouais, ils m'ont capté, les petits salauds. Ah ouais. Là, par contre, va falloir amener du monde, parce que ça commence à sentir le roussi pour mon état-major. Surtout qu'ils ont vraiment... Ils sont en train de déployer tout l'or, mais en même temps, ça, c'est autre... Ah, bon sang. C'est d'autant plus inquiétant, aussi. Bon, 21 septembre. On traverse l'Europe en moins de 5-6 jours. Déjà, c'est bien. Il y en a du monde. Ouh, qu'il y en a du monde. Ah ouais, ouais, je vois, vous allez vraiment me faire suer jusqu'au bout, hein. Vous pourriez tellement déclarer votre indépendance qu'on s'allie ensemble et qu'on soit contre l'Allemagne, mais non. Vous désespérez à rester dans un régime totalitaire qui ne vaut rien, qui ne rapportera rien à vos yeux. Bande d'idiots. Condamnez votre nation à la mort. Independence Day. Il reste encore des unités allemandes? C'est pas possible. Il n'y a plus rien d'allemand dans ce pays. D'accord, là je ne peux pas attaquer. Par contre, si j'attaque là. Ah, voilà, c'est déjà moins la pluie là. Allez, bim, des Portugais en Lituanie. J'emmerde la logique. L'état-major emmerde la logique surtout. Chef, pourquoi on a envoyé des. Oh, et puis zut, je vais arrêter de poser des questions parce que mes questions sont sans réponse. Non, mais allez-y, soldat, voyez-vous, je vous écoute. Mais bien sûr. Allez, on va prendre Grodno. Il se passe toujours rien. Si le russe il pouvait m'aider, enfin non, justement, reste comme il faudrait qu'il reste comme il est, le russe. S'il attaque, ça ferait bien suivre. T'as vraiment cru que j'allais te laisser faire en plus? Non mais le mec, ça va, il passe à côté de moi, il fait « Bonjour, je viens vous encercler ». Non mais le mec, bah vas-y. Ah bah Jean Lattre, justement, j'ai besoin de toi. En plus, t'es habillé comme en hiver. Nickel. Alors, on va même envoyer De Gaulle. Le mec, hein, ça va, il se fait pas chier. Il passe à côté de chez moi. Tranquille. Voilà. Déjà, ça va t'apprendre un peu la politesse, gamin. Allez, tomber en déroute au moment où je... Oui! Oh oui, ils vont se faire... Ou par contre, c'est moi qui vais me faire plutôt démonter. Oh les cons, ils vont envoyer 3 divisions sur moi. Ah, nickel. Ah, ils me font mal. À Swalky, ils sont morts. Swalky. Ah bah voilà. Comment éliminer 3 unités de la manière la plus facile au monde? Bah comme ça. Tout simplement. 3 unités éradiquées d'un seul coup, c'est beau. Ouh, ça sent vraiment pas bon pour moi. Ah ouais. Le fond commence... Ah merde, ça veut dire... Attendez. Jean Lattre est... Mais retourne pas à Paris, Jean Lattre. Non. Je t'offre un maréchal à ta mort en 52. Ce qui est dans moins d'un an au passage. Oh putain. Oh putain, c'est pas une bonne nouvelle ça. On peut tenter un assaut massif sur la Lituanie tout de même. Oui, c'est vrai, il faut que je m'arrête, excusez-moi. Encore un peu. Encore un peu.
Bon, on va attaquer Konas, parce que Konas, leur misérable armée qui ose encore me défier. Et voilà, bim, on prend des positions un peu partout. Et voilà, comment éradiquer leur petite armée? Bah c'est tout simple. C'est tout simple, Jamy, on va faire... Allez les gars, vous pouvez le faire, oui! Ils vont mourir, voilà, une unité ennemie éradiquée d'un coup. Tant mieux, tant mieux. Ça va, c'est une petite victoire. Allez les gars, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, si vous prenez Konas... non, attendez, il n'y a pas d'autres villes. Non, si vous prenez que ces deux villes-là, tout se passe... Tout ira bien. Tous les enfants fleuriront... Non, les fleurs. Les fleurs fleuriront, excusez-moi, je me gourde de mots. Bon, par contre, c'est pas une bonne idée ce que je fais, parce que si les Allemands, ils ont l'idée de se soulever, je vais être un peu dans la mouise. De toute façon, les Allemands sont trop cons pour le faire. Ah oui, c'est vrai. J'ai peut-être éradiqué leur armée, mais ils restent quand même pas si stupides que ça. Pourquoi y a pas d'event avec l'Allemand? Pas devoir aller jusqu'au bout du monde pour éradiquer l'Allemand, quand même. Et voilà, on a éliminé une petite unité qui traînait. Voilà, victoire à Konas. Et ça continue comme ça, on va éliminer toute leur flotte aérienne. Allez, bims! Et ils ont eu le temps de s'enfuir. Bien. Très bien, alors je vous ai éradiqué. Et bims. Bataille de Grodno. On va éradiquer leur armée. En plus, c'est même pas des Lituaniens. C'est génial. Ça veut dire que si c'est pas des Lituaniens, on a plus de chances de s'en tirer. Et on va attaquer ici. Faudrait que je fasse un tour du côté des pertes, mais je pense qu'on a de lourdes pertes quand même. J'envoie les Écossais anglais en Angleterre. Oui, ça me semble logique. Ouh, mais c'est que ça résiste. Ah oui, ça résiste un peu trop, en fait, mais bon. Ouh, attends, je repensais à un truc. Bon, il me faudrait juste une unité à un point. Les Écossais, tiens, vous allez me surveiller l'aéroport de Konas. Bah tiens, on en parle de cette belle ville. Alors on va envoyer des régiments entiers de bombardiers et on va balancer tout ça sur les Allemands. Enfin, sur ce qui reste de leurs alliés, tu me diras. Bergerai bien. Bah, je fais cette action-là, puis on va s'arrêter. Voilà. Et une fois qu'on aura vaincu ces pays, les pays de l'Est, on les libère aussitôt, parce que ça me fait moins de belligérance, et en plus, les gens sont contents. Parce que, attendez, je libère leur pays de la barbarie allemande. N'abusez pas non plus. Je suis un libérateur. Même si, ok, on a balancé une boîte atomique sur Kiel. D'accord, c'est une erreur. Je le reconnais, je n'aurais jamais dû faire le faire. Mais avouez que c'était drôle. Et c'est ainsi que Flavius Contentius fut incorporé pour crime de guerre contre l'humanité. Ça va quoi, de lancer une bombe atomique, ça aurait pu être pire. Oh chef! Oui, je sais, c'était pas terrible. Ah, ces petits pays-là, ils doivent se dire, là les mecs, on a plus grand-chose à faire. Ah oui, il vous reste plus rien. Votre chère nation est en train de mourir à petit feu. Et après, il va falloir qu'on s'occupe du cas de l'Allemagne. C'est bizarre qu'il n'y a pas d'event avec l'Allemagne pour l'instant. Alors que on a éliminé l'Allemagne, logiquement. Il n'y a même plus de colonies. Bah, on va en profiter tant qu'on y est. Voilà, puisqu'il n'y a personne sur le chemin. Ah, c'est bon, ils sont morts. Bah, éliminons-les d'abord. Bonjour, messieurs. Alors, apparemment, vous m'avez balancé des bombes durant toute cette série. Alors, il est temps pour mon état-major de se venger. Alors, je vais vous en balancer sur vous aussi. Ah, vous allez voir, vous allez aimer. Ah oui, les petites bombes à la Flavius Contentius, vous allez... On les aime bien, général. On les aime, les bombes. Non, attendez, c'est... Je suis complètement con, c'est support qu'il faut que je fasse. Je me gourde de boutons, merde. Et voilà, là ils sont morts, ils sont en train d'y passer. Qu'est-ce qu'ils font mes pilotes? Attendez. Ground support, s'il vous plaît. Et voilà. Balancez-moi vos bombes là-dessus. Ah, il y avait une bonne armée, il y a une bonne armée à Riga. Ouh! Ouh l'affreux Jojo! Il a ramené toute la Wehrmacht! Ah oui, je savais qu'il fallait pas que je pense. Me disais que j'allais regretter quand j'allais les attaquer ceux-là. Ah ouais. Ouh les affreux. Ouh les affreux l'armée qu'ils ont. Ouh qui font peur. Ouh oui, ça fait bien peur ça. Ça on va pas se mentir que.
Ouais, j'ai déjà eu peur de ça, mais alors là, ça fait moins peur. Pam palam. Ah ouais, là par contre ils vont se battre à mort, donc du coup ça va moins être simple pour prendre leur territoire. Hop, pardon, j'ai rien dit. Ça peut être plus simple. Ça peut être très simple au contraire. Putain, il y a de bonnes infras. 50, 60. Avant on avait du... Ouais bon, c'est vrai qu'on a un peu tout pété sur le chemin. Excusez-nous. On a tendance à libérer les pays mais en détruisant un peu tout. À Walner Studio, vous allez le voir. Hein. Vous allez les voir, Walner Studio. Alors là, ils ont... Ah, attendez, il reste encore des soldats là-dedans. Ah, 3 unités, très bien. Tuez-les. Percer armes secrètes, mais je m'en fous. Envoie-moi un event que j'ai battu l'Allemagne. Regarde, l'Allemagne, elle est morte. Pourquoi j'ai pas d'event? J'ai pas d'event avec l'Allemagne, vous vous rendez compte? Voilà. Tout ce que je dois faire, c'est... Tout ce que je peux faire, c'est faire ça, quoi. Oh! Ah oh mais il m'a attaqué avec ça, je résiste 2 secondes et je meurs. Je fais prout. Ah mais je fais tellement prout. Et voilà. On a éradiqué la résistance lituanienne. De même que les résistances... Il reste quoi comme point de victoire? D'accord, je dois aller vraiment à l'autre... Je dois aller à Borisov presque. Ah bah la Bérézina. Espérons que l'armée française ne s'écrase pas une seconde fois sur la Bérézina. C'était la blague de merde. Putain, ils ont 3 points... Ils ont 4 points de victoire. Oh, moi qui en pensais qu'ils en avaient que 2, je balançais une boîte atomique, c'était fait. Alors là, pas du tout. Pas du tout, ils ont de bons points de défense, les petits saligots. J'attaque Minsk. Ils ont un truc intéressant. Ah oui, Minsk, ça résiste trop bien. Bon, ben, on va s'arrêter là, donc. Ben, on a battu les 3/4 de la Mittel Europa. Donc, prochaine fois, ce sera de battre... Est-ce que, du coup, il reste qui dans la Mittel Europa? Mittel Europa, il reste l'Allemagne, l'Irlande, la Lituanie. Ouais, en fait, il reste... C'est 4 pays, celui-là et ce qui reste de l'Allemagne. Du coup, l'Allemagne, elle est à Djibouti. Mais non! Pourquoi vous avez mis l'Allemagne à Djibouti, les mecs? C'est tellement pas cool! Bon, dans le prochain épisode, on va essayer aussi de se focus sur les colonies. Avec une bonne flotte de combat, je pense qu'on va essayer d'envahir la Crète. Donc, si on prend la Crète, on aura un point plus rapide pour envahir Suez. Et si on prend Suez, c'est bien. On pourra, du coup, envahir leur colonie d'Afrique. Parce qu'il reste de leur colonie d'Afrique. Et du coup, on pourra annexer l'Allemagne. Dans un grand boom. Et c'est vrai que Madagascar est indépendante. J'ai envie de les attaquer, mais j'ai envie d'être gentil avec eux. Donc on va les laisser tranquilles. Alors, ouais, c'est quoi les points de victoire de l'Allemand? Est-ce qu'ils ont des points de victoire? Non, alors, l'Allemand n'a pas plus de points de victoire? Attendez, ça veut dire qu'on peut... Attendez, si je prends Suez, cette ville-là, et une autre ville, dites pas qu'il y a un autre point à prendre. Attendez, ça veut dire que dans... Oh non, faut prendre la Nouvelle-Calédonie. Oh non, vous êtes dégueulasses les mecs. Je dois aller en Nouvelle-Calédonie pour battre l'Allemand. Mais vous êtes sérieux? La Nouvelle-Calédonie. Oh là 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 là. Bon, on va s'arrêter là. Donc j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye.